Qu'est-ce que je fais? J'étais censé abandonner. Alors pourquoi? Pourquoi m'accrocher? Pourquoi me préparer? Cette histoire, je l'ai commencée et maintenant je vais la terminer. Ce récit, c'est My Story. Bonjour Johan. Pourquoi vous êtes venu me voir aujourd'hui? Je repensais à tout ce que j'avais vécu dans ma vie. Je n'arrive à me focaliser que sur mes échecs. Définissez l'échec. Me tromper, faire des erreurs, ce genre de choses. Pour vous, c'en est la simple explication. Mais serait-ce la raison de votre venue ici? Cavalier prend fou. Ce sont des sujets que je suis censé maîtriser. J'ai vu tous les secrets de tournage du jeu de la dame. Parlez-moi de la magie. Vous m'avez expliqué être magicien depuis un moment, mais pourquoi ces erreurs? Vous éludez la partie d'échecs. Et vous éludez le sujet de la magie. La loi de Murphy. Vous connaissez la loi de Murphy? Si une action a plusieurs finalités et que l'une de ces finalités est une catastrophe, alors il existe forcément quelqu'un, quelque part, qui prendra cette voie. Des erreurs, ça arrive. Et pourtant, c'est vous qui êtes venu m'en parler. Ce qui prouve que ces erreurs vous affectent d'une quelconque manière, vous ne pensez pas? Vous plaisantez sur la partie d'échec, mais pas sur la magie. Ce qui me laisse supposer que cette partie d'échec n'est pas le sujet principal? Ou du moins que vous ne l'abordez pas sous le même angle que le reste? Et puis il y a la magie, et là, vous ne semblez pas trop vouloir vous étendre. Johan, il me semble clair que vous tentez de dissimuler votre problème avec la magie, avec celui de cette partie d'échec. À moins que ce soit autre chose qui vous travaille et la raison de votre venue ici. Il y avait cette fille. Tout est flou maintenant. Comme un souvenir imperceptible. Un rêve qui se serait transformé en cauchemar que j'essayerais de chasser vainement. Elle venait d'apprendre que j'étais devenu magicien. Et elle me demandait de la couper en deux. Je vous rassure, on ne parle que de magie pour l'instant. Bref, je lui ai expliqué rapidement que je ne m'y risquerais pas parce que, comme on vient d'en débattre, les erreurs, ça arrive. Mais ça lui semblait impossible. Et pourtant, ça ne l'est pas. Échec. Est-ce que c'est ta carte? Non. C'est celle-ci. Non. Vous êtes humain comme nous tous, vous commettez des erreurs. Johan, ce que je ne comprends pas en revanche, c'est le fait que vous les considériez comme des échecs. L'échec fait partie d'un processus bien plus grand. Les erreurs sont des obstacles sur lesquels nous nous butons. Échec et maths. C'est ta carte? Oui.
Mais l'important avec ces obstacles, quand on y est confronté, c'est notre capacité à nous adapter et à nous relever. Prouver à nous-mêmes qu'on peut grandir d'une mauvaise expérience et apprendre à ne plus la reproduire. Avais-je abandonné ? Je me retrouvais devant cette porte que j'avais passée des centaines de fois. Mais cette fois-ci, j'étais tétanisé. Tétanisé à l'idée de l'ouvrir et d'y contempler mon pire échec.